Prodi est une personne qui ne représente pas le renouveau. Et donc c'est pour ça qu'en signe de protestation, nous ne participerons pas au vote. Ce choix représente une claire opposition vis-à-vis de notre parti, le PDL. Si Bersani voulait rompre avec nous, il a réussi. Donc le Parti démocrate, avec un tiers des votes, va tout rafler. Président de la Chambre des députés, du Sénat et maintenant de la République. Prodi avait été notre 9e choix, le 9e choix de nos militants sur le web. Mais vu que Stefano Rodotà a donné sa disponibilité, on va continuer à voter pour lui jusqu'au bout. Je pense que Romano Prodi est la bonne personne en ce moment. Car il est quelqu'un de capable, capable de rapprocher les gens, mais il est surtout une personne avec un profil international très élevé.